Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut déverrouiller et verrouiller l'écran de votre smartphone sans utiliser bouton d'alimentation et vous n'avez pas besoin à télécharger aucune application. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment on peut déverrouiller et verrouiller l'écran sans utiliser bouton d'alimentation. Et comme ça, vous économisez le bouton d'alimentation et vous l'utiliserez uniquement pour allumer et éteindre votre smartphone. Et avant, si cela est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc, pour déverrouiller ou verrouiller l'écran de votre smartphone, juste suivez ces étapes. Donc, allez à paramètres de smartphone. Ensuite, cherche sur option fonction avancée. Voilà. Donc, appuyez sur l'option. Puis, soit apparaître avec vous, cette page contient plusieurs options. Donc, appuyez sur option mouvement et gestes. Puis, activez ces deux options, comme ça. Maintenant, sur Terre. Comme ça, puis appuyez deux fois sur l'écran. Voilà, l'écran est verrouillé. Et pour déverrouiller l'écran, appuyez deux fois sur l'écran. Voilà, c'est génial, non? Donc, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre j'aime pour la vidéo. Au revoir à la prochaine vidéo.